Pour conclure, en beauté, j'espère, ce bistrot du jeu vidéo, on va faire un point sur les stocks next-gen, Xbox Series, PS5 en France. Oui, tout simplement parce que, ça y est, ça commence à prendre un peu la parole, et en l'occurrence, on va partir sur Twitter, et sur le Twitter de Marc Issali, qui n'est autre que le marketing manager France de Xbox. Et ben là, regardez, c'est très très clair. Vous êtes nombreux à me demander en message privé les réa pro sur les Xbox Series X et S en ce début d'année 2021. Des livraisons sont en cours chez nos partenaires. Soyez attentifs dans les jours, heures à venir, MicroStore compris, je vous tiens au courant. Team Xbox. Oh! Et ce tweet a quelques heures. Donc, je veux dire, c'est un officiel de Xbox France, et il dit des réapprovisionnements arrivent dans les jours et heures à venir. Et d'ailleurs, dans la foulée de cela, quelques instants après, il tweetait « La Xbox Series X est de retour sur le Microsoft Store, ne traînez pas, j'espère à très vite. » Et bah, il fallait effectivement ne pas traîner, parce que les stocks, j'ai vérifié, sont d'ores et déjà épuisés. Donc, ça pose quand même la grande question, des réapprovisionnements, c'est certain, il va y en avoir. Mais quelle quantité ? Quelle quantité ? Parce que, est-ce qu'on parle de dizaines de milliers de machines mises sur le marché, ou est-ce qu'on parle de drop de quelques centaines, voire petits milliers d'unités, etc., qui feront que bah, la plupart des gens ne réussiront pas encore à s'équiper. D'ailleurs, sur le site officiel de Xbox, qui fait un petit décompte des stocks de Xbox Series X, là en l'occurrence, on voit que sur Cdiscount, c'est épuisé, sur boulanger.com, c'est épuisé, sur la Fnac, c'est épuisé, chez Micromania, c'est épuisé. Donc, il y en a qui vont arriver, mais j'espère que ce sera dans les plus grandes quantités. Vous avez vu ma vidéo, il y a quelques jours maintenant, qui soulignait, suite à pas mal d'analyses de différents sites technologiques internationaux, qu'en fait, il y a une grosse tension aujourd'hui sur certains composants informatiques, et ça touche pas que le jeu vidéo, et donc ça touche pas que les consoles next-gen, qui font que, bah, la pénurie, quand on dit la pénurie, ça veut pas dire qu'il y en aura zéro, mais pas des grandes quantités, en tout cas inférieures à la demande, risque de continuer pendant encore de très longs mois en 2021, et certains sont assez pessimistes pour dire que ça risque de continuer jusqu'à la fin de l'année 2021. Bon, pour l'instant, ça arrive un petit peu du côté de Xbox, mais par petite touche, petite quantité, visiblement, donc il faut vraiment être extrêmement vigilant. Quid du côté de PlayStation, avec la PS5. Bah hier, visiblement, il y a eu des tout petits shoots sur ces discounts. À peine annoncé, c'était déjà fini, visiblement. Eh bien, Micromania prend aussi la parole. Regardez, par exemple, il y a eu un internaute qui leur a posé la question. J'ai précommandé ma PS5 le 19 septembre, vers 11h20. Vous pensez que je la recevrai ce mois-ci ou début février? C'est quand vos prochains réapprévisionnements? Vous vous rappelez, quand il y a plusieurs mois, je vous disais, ceux qui n'ont pas fait partie du tout début, etc., des toutes premières vagues et tout, vous risquez d'attendre un bon bout de temps, parce que les retours que j'avais eus faisaient état de, ouais, plus tard en 2021. À l'époque, on était en septembre, hein, déjà. Hein. C'était pas très très cool, mais ça se confirme. Eh bien, voici la réponse de Micromania. Bonjour, un prochain restock, va arriver prochainement. Vous recevrez un message de notre part si vous êtes concerné. Bon. Ok, donc là pareil, ça veut dire que Micromania va recevoir des quantités de PS5, combien? Je ne sais pas. Alors, ce qui fait quand même un tout petit peu peur, c'est que ce même internaute, derrière, il a surenchéri, il a répondu, il a demandé « Et vous pensez que je serai concerné ?» Et Micromania a répondu « Ça me semble malheureusement peu probable, vu la date de votre réservation. » Et la date de réservation, c'était quand même le 19 septembre. Donc, mais bon, ça veut peut-être dire aussi que... Non, il faudra pas attendre la prochaine réapprovisionnement. Vous serez concerné. Il y a des petites quantités qui arrivent. Bon. Il y a eu aussi des rumeurs. Là, ça concerne la PS5 et la Xbox Series, de quelques machines qui arrivaient, et des rumeurs plus spécifiques sur la PS5. Savoir que 600 machines arrivaient chez Amazon, et qu'il y avait des stocks là, de plusieurs dizaines de milliers qui arrivaient chez Amazon Allemagne, qui va peut-être après les redistribuer. Moi, je trouve que ça vire un peu au n'importe quoi, cette histoire, et depuis maintenant de bonnes semaines, entre les scalpers d'un côté, entre ces tirés à sort microscopiques qui font que les gens ils font du F5 et que ça génère plus de frustration qu'autre chose, outre le fait que les constructeurs aujourd'hui prennent pas vraiment la parole, alors là, il y a Marc Issali de Xbox France qui annonce un peu plus clairement les choses, mais on connaît pas encore les quantités et tout, chez PlayStation, on ne sait pas du tout, ce serait peut-être temps de clarifier
un peu vraiment la situation pour que les gens puissent se dire « Ok, bah, je me dis, très bien, je commande et je sais, je l'aurai qu'en mars, ok, c'est loin, mais je suis sûr de l'avoir. » Ou bien arrêter de fantasmer le truc. Parce que là, ça devient un peu, je trouve, le pataquès, ces histoires. Mais bon, vous me direz, et je croise les doigts pour vous, que ceux, en tout cas, qui le désirent ardemment, puissent trouver la machine le plus rapidement possible, la machine qu'ils souhaitent, quelle qu'elle soit. Faites-vous plaisir, en tout cas.